C'est une autre tuile hein, qui s'abat sur la tête des automobilistes. Un nouveau règlement fédéral qui est adopté cet été pourrait donc provoquer une hausse importante du prix de l'essence. Pour le directeur parlementaire du budget, on parle d'une augmentation du litre d'essence de 17 cents d'ici 2030. Et il faut aussi considérer les impacts collatéraux, notamment sur le transport de marchandises, qui pourraient faire en sorte que certains prix dans les épiceries augmentent également. Je vois pas beaucoup d'aînés au Québec qui m'interpellent sur le bord du chemin me parler de la taxe carbone, Monsieur le Président. Pour moi, personnellement, j'avoue que ça va coûter encore plus cher pour mon portefeuille. Puis c'est déjà très dispendieux. Là, juste pour aller travailler, les montants ont augmenté beaucoup. C'est une très bonne mesure, la taxe sur le carbone. Mais il faut qu'elle soit augmentée beaucoup plus radicalement qu'elle l'est maintenant. Enlever la taxe carbone, non, ça va pas. J'ai le goût de vous dire, il faudrait qu'elle soit même augmentée.